Bonjour, Son Excellence l'ambassadeur résident de la CDA, résident du Bénin. Je salue tous les doyens de faculté, les professeurs de l'Université Abdoulaye Kalali, qui nous a donné l'occasion, nous citoyens de la CDA, de s'exprimer dans ce temple de savoir qui est l'Université Abdoulaye Kalali du Bénin. La CDAO, qui est une organisation comme l'appelle tout le monde, qui est créée en 1975 pour apporter plus aux citoyens de la communauté, pour avoir un marché commun, tout en sachant que nos États sont voisins des communautés qui vivent de tous les deux côtés des frontières, on ne pouvait pas avoir autre solution que de créer une organisation régionale d'intégration telle que la CDAO. La CDAO, comme vient de dire les intervenants, a eu beaucoup d'avantages. Et tout récemment, on ne voit que les difficultés. Je ne reviens pas au propos du professeur qui vient d'intervenir, mais il y a eu beaucoup d'acquis que nous, citoyens de la communauté, ont bénéficié à la base de la CDAO, mais souvent les gens ne se rendent pas compte. Par exemple, quand depuis 2015, vous savez qu'il y a le tarif SRL commun de la CDAO qui est en vigueur. Ça fait que si un pays de l'Interland envoie ses marchandises dans un pays de la côtier, il fait le dédouanement à partir de son pays de destination qui est le pays qui n'a pas de port en l'air sain. C'est des avantages que les citoyens de la communauté de ces pays en bénéficient. D'autres avantages aussi que nous bénéficions, c'est le fait que quand tu quittes à Abuja jusqu'à Dakar, avec ta carte internationale, tu peux circuler librement, malgré quelques difficultés qu'on peut trouver ici et là dans les différents frontières. Mais les inconvénients, on le vit encore tous les jours. À partir du moment où que les chefs d'État ont décidé de mettre le protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie, qui fait que c'est le problème des États qui s'invite à la CDAO. C'est pas, on dit la CDAO, les CDAO, mais la CDAO est l'éminence de nous tous. Chacun de nous vient de son pays avec sa culture, sa façon de raisonner, et apporte sa solution ou l'émargement qui est de son pays. Mais nous, d'autres facteurs qu'on voit aussi, c'est le fait que la CDA nous avait promis depuis l'an 2000 qu'après le diagnostic, le manque d'intégration est lié au marché commun et aux monnaies uniques qui est l'objectif